Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, bonjour Gérard, bonjour. Bonne semaine. Oui, c'est un peu le foutoir là sur la table. Il y a beaucoup de livres, ben beaucoup oui, de choses. Oui, il y a plein de fiches. On commence avec quoi ? On va commencer sur un des maîtres du polar français. Et alors là, je trouve qu'il réussit encore une merveille. C'est Franck Tilliez, Norferville, c'est chez Fleuve Noir. Déjà, vous mettez vos moufles, vos passe-montagne, votre cagoule, votre bouillotte et tout, parce que il fait très froid. Hein. Alors vraiment très très froid. Il y a un détective en criminologie à Lyon qui s'appelle Teddy. Pour lui, tout va relativement bien. Et puis un jour, il apprend que sa fille est retrouvée dans le Grand Nord québécois. Elle a été mutilée, massacrée. Elle est abandonnée près d'une réserve d'autochtones. Donc, il décide de tout larguer, de tout. Il part là-bas. Et là, est en charge de ce polar une jeune fille qui s'appelle Léonie Rock. Alors, elle, c'est une jeune femme qui est flic, elle est métisse, et elle est originaire de la réserve où a été perpétré le crime. Et le problème, c'est que cette jeune femme, 20 ans avant, avait été violée par 3 hommes dans cette réserve. Et pour elle, c'est synonyme d'enfer, hein, de revenir. Elle est issue de là-bas. Donc il faut qu'elle elle va redécouvrir tout cet endroit et d'où elle vient. Et là va commencer une enquête absolument. C'est incroyable. On est complètement pris. J'ai lu ça, c'est vrai, c'est exact. C'est très lent. Et il nous prend carrément. Vous savez, il y a des polars où ça va très très vite, vous n'avez pas le temps de. Et là, il vous entortille, vous êtes asphyxié carrément par cette ambiance. Il y a un suspense d'enfer. Qui a fait quoi? Est-ce qu'il y a des relations entre les meurtres? C'est absolument. Pour moi, c'est une des merveilles de Franck Tilliez. Il y avait longtemps que je m'étais passionné pour. Franchement, c'est. Allez-y. Donc, redites le titre. Alors, ça s'appelle Franck Tilliez, Norferville, et c'est aux éditions du Fleuve Noir. Alors, moi, j'ai plongé complètement dans ce livre. J'avais une maison à Los Angeles de Danny Jucco, grand reporter à Hollywood pendant 40 ans chez Stock. Vous savez, ces livres, vous ouvrez un peu mollement en vous disant, tiens, qu'est-ce que je vais trouver? Et puis vous tombez sur une histoire incroyable de cette journaliste, Dani Jucco, qui pendant 40 ans a été la correspondante de Paris Match à Los Angeles. Donc ça vous parle d'une presse qui n'existe plus vraiment, c'est-à-dire où elle prenait l'avion pour aller interviewer Warren Beatty, etc. Enfin bon, elle habitait à Los Angeles, elle a interrogé les plus grandes stars de la planète, ça donne lieu à des anecdotes absolument incroyables. Elle n'était pas du tout destinée à ça au début. Elle était copine avec Anne-Marie Rassam, qui était la sœur de Claude Berry, et qui lui dit « Je vais à Los Angeles, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Et tu pourrais interroger. Elle était un peu dans le milieu du cinéma, elle travaillait comme script, Dani Jucco au départ, mais ça l'ennuyait prodigieusement. Et elle lui dit, viens, on va aller à Los Angeles et si tu veux, tu peux interroger Francis Ford Coppola. Et elle se retrouve là-bas comme ça et elle commence à rencontrer des gens et à proposer ses interviews à Paris Match. Elle raconte une époque où elle dit, je vous cite, Warren Beatty et Jack Nicholson qui dévalent comme des fous les collines d'Hollywood en Mercedes décapotable, remontant avec des grappes de filles collées à eux. C'était joyeux, ils étaient beaux, bronzés, dragueurs et tellement sympathiques. Alors bon, c'est un autre monde, c'est une autre époque, mais c'est une carrière de 40 ans. C'est une journaliste redoutable et redoutée qui sait aussi garder des secrets, qui est devenue amie avec bon nombre de ses vedettes. Et puis, ça parle aussi de cette maison. Ça parle de Madame Claude, avec qui elle a été très proche. Franchement, si vous n'avez pas le moral et si vous voulez découvrir ce qui a été le journalisme People, les coulisses de Paris Match, j'avais une maison à Los Angeles. Dani Jucco, grand reporter à Paris Match pendant 40 ans. C'est paru chez Stock et avec la collaboration d'Aurélie Raya qui a recueilli ses confidences. Alors, j'ai reçu ce bouquin, alors j'avoue que je ne sais pas pourquoi, j'ai adoré la couverture. Hein. C'est Michel Moati, ça s'appelle Darwin, le dernier chapitre, c'est aux éditions H&S, Hervé Chopin. Oui. Alors, c'est une merveille, c'est un livre d'aventure et ça raconte l'histoire d'un homme qui allait changer le monde, parce que quand on dit changer le monde, l'avenir, la philosophie, la sociologie, tout, l'histoire, c'est l'histoire d'un petit Darwin, hein, du petit jeune homme. Lui, il est à Cambridge, il s'ennuie un peu, il est à l'université, et puis il est naturel, enfin lui, il aime les plantes, il aime les choses comme ça, et puis un jour on lui propose, alors ça, vous allez découvrir pourquoi, de partir en expédition sur le HMS Beagle. C'est un bateau, c'est vraiment incroyable, et il va partir
en décembre 1831. Et là, vous allez partir avec leur. Lui, il est malade, mais alors, dès qu'il monte sur le bateau... Alors, il ne devait pas partir. Hein, vous allez voir, je pars pas, il y a la tempête et tout. Il y a un capitaine là-dedans, c'est des histoires vraies. Hein, c'est-à-dire, ce capitaine est absolument fascinant. Et avant de partir, il doit avoir une réunion avec lui. Le problème, c'est qu'il accepte les gens en fonction de leur nez, par exemple. C'est-à-dire, et Darwin est là en disant... Il se regarde sans arrêt en se disant, mais est-ce que j'ai le bon nez, pas le nez et tout. Et pendant tout l'entretien, et puis à la fin, il se dit, oh, je dois pas avoir le bon nez parce que Et il va partir, et là c'est 50 voyages absolument incroyables avec des aventures, la tempête, et vous allez découvrir le personnage, c'est-à-dire l'être humain derrière, c'est-à-dire c'est un être fragile, et puis tous ces gens qui étaient sur ce bateau, les allers-retours, comment ils doutent, c'est incroyable, et franchement. Il s'est inspiré par les journaux de bord du capitaine Robert Fitzroy, le carnet de voyage et les lettres Beagle de Charles Darwin. Mais alors, ce sont des faux journaux, apparemment, ça sert de ça. Et alors, vous allez avoir, au fur et à mesure, l'aventure qui est racontée par le cartographe, par le père, par le révérend, par le capitaine et tout. Et c'est la même vision, une vision différente des choses. Alors, il y en a qui ne se supportent pas. Puis, il y a des événements là-dedans, c'est absolument abominable. Là, c'est nous quand on part en bateau maintenant, oui. C'est plutôt cool, hein. Et on cherche s'il n'y a pas la clim. Là, c'est absolument incroyable. C'est un des grands livres d'aventure de cette année. Puis en plus, vous découvrez un personnage. Il va découvrir pourquoi il va en venir là, comment il va faire sa théorie de l'évolution et tous les gens qui s'y opposent. C'est vraiment génial, hein. Franchement, même si vous connaissez pas Darwin, vous donnez ça à votre gosse qui a à partir de 16 ans. Je suis sûr que ça va lui donner envie de savoir qui était Darwin, parce que maintenant ils ont beaucoup de voilà, faut tout réintroduire, hein. C'est-à-dire que au niveau culture, c'est très compliqué. Ah, ça, c'est sûr. Et c'est une façon de découvrir effectivement ce personnage. Avec un grand plaisir. Alors, il écrit très bien. L'auteur Michel Moati, c'est lui qui avait fait Retour à Whitechapel, qui était un livre qu'on avait adoré. Hein, et ça existe en poche. Vous pouvez aller le lire. Et donc, c'est un vrai raconteur d'histoire, un romancier. Et puis là, il fait œuvre vraiment. Je trouve que ça devrait être conseillé dans les lycées. Ça devrait être dans toutes les bibliothèques de lycée et de bibliothèques en général, parce que c'est vraiment une manière très très sympathique et très agréable de redécouvrir ce personnage et de son voyage, parce que moi je connaissais rien du tout du voyage, je savais même pas que ça avait duré 5 ans. Et puis je pensais qu'il était déjà très connu, et puis pas du tout. Vous allez découvrir son père, fantastique, les compagnons sont absolument incroyables. Michel Moati, et ça s'appelle Darwin, le dernier chapitre, et c'est aux éditions Hervé Chopin. On vous avait dit qu'on vous parlerait d'un autre livre paru chez Arléa, donc dans cette très jolie collection Premier Mille. Et là, ça s'appelle Imaginez Calder, Géraldine Geoffroy, je crois que c'est comme ça. Oui, ouais. Geoffroy, il y a deux F. Elle raconte cette maison. Elle va en Touraine, cette maison qu'il a achetée en Touraine en 1953, dans laquelle il a vécu plus de 20 ans. Calder, immense artiste, on connaît ses sculptures, ses mobiles. Et donc, elle raconte cette maison, elle raconte la Touraine et elle raconte Calder, surtout. Mais elle raconte aussi l'osmose. Enfin, c'est un très, très amour de la Touraine, des paysages, de la nature. Et on voit l'osmose entre cet homme, cet artiste. Elle parle d'elle aussi. Enfin, c'est Charles et c'est très bien écrit. C'est tout en finesse, en délicatesse, en intelligence. Et ce que je redis toujours, en accessibilité. C'est-à-dire que c'est lisible pour tout le monde. Je veux dire, c'était édition, moi ça m'énerve, il y a certains critiques qui ont l'air de se dire c'est pour nous, voyez, voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est pas du tout, c'est vraiment ces romans chez Arléa, j'ai pas d'action, hein, mais c'est vraiment tout ce que j'aime dans l'édition française, c'est-à-dire c'est ce qu'était Gallimard dans le temps, et ce qui n'est plus Gallimard, donc je viens de me faire des ennemis là, mais voilà, vous allez avoir, c'est le plaisir de lire. C'est le plaisir de la lecture, c'est exactement ça, vous avez défini cette collection, c'est le plaisir de lire, d'apprendre, de découvrir à chaque fois des histoires très différentes avec des auteurs qui sont des peintres. Moi, à chaque fois, c'est ce qui me revient quand je lis ces livres-là, parce que Calder, même si vous ne connaissez pas Alexandre Calder, vous allez avoir envie d'aller avoir envie de le découvrir. Et c'est vrai que
Comment imaginer cet artiste américain qui va tomber amoureux de la Touraine et l'influence que ça va avoir sur son œuvre. Ouais. C'est passionnant et c'est une histoire. Et à travers lui, elle parle d'elle. Hein, bah, c'est une merveille. Et vous allez sur le site d'Arléa. Moi, j'ai fait comme ça. Hein, vous regardez les couvertures, les machins, et je remercie celle, je ne sais plus son nom, je crois qu'elle s'appelle Gerbers, qui avait fait 555. J'ai découvert Arléa, absolument. Entre autres, à cause de cette. Grâce. Ouais, absolument. Grâce. Imaginez Calder, c'est Géraldine Geffroy et c'est aux éditions Arléa. Alors, de quoi qu'on cause ? Alors, point 9. Ça va être bientôt. Non, c'est pas bientôt la fête des pères et la fête des mères, mais il faut s'y préparer. Oui, faut s'y et préparer. Généralement, c'est bateau. Et j'ai découvert ces deux petits livres. C'est grâce à toi, maman, et c'est grâce à toi, papa. Faut regarder en podcast parce qu'à l'intérieur, c'est magnifique. Les couvertures, elles sont toutes en douceur. Génial. Vous avez envie de les ouvrir, même si vous n'êtes pas papa ni maman. Je trouve que c'est très, très, très beau. Les illustrations, elles sont toutes en gentillesse, en humanité, en sensibilité. J'ai adoré. Ouais, voilà. C'est très joli. C'est très joli. C'est deux petites merveilles. Allez-y. Soyez, je suis pas sûr que les tirages soient importants. Alors, ça s'adresse là aux ados plutôt. Clémentine du Pont-Avis, avec la participation de Gada Adem-Ganzer, qui elle est gynécologue, journal intime de mon cœur, pour apprendre à se connaître, essayer d'y voir plus clair dans ses relations d'amour et d'amitié. Donc, c'est peut-être quoi, 12 ans, moi je tarde un peu, mais c'est toutes les questions que les ados peuvent se poser. Il y a les réponses de cette gynécologue. Donc, il dit est-ce que c'est normal d'avoir du désir ? Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une personne du même sexe ? Pardon, on dit que l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas, c'est les premières peines d'amour, c'est le fait que ses copines sont moins copines, mais elles s'intéressent plus aux garçons, c'est le changement du corps, c'est très bien fait, journal intime de mon cœur, parce qu'on parle souvent du corps aux ados, mais là c'est tous les sentiments, tout ce qui change au collège, la peur d'être exclu parce qu'on rentre pas forcément dans la norme, c'est vraiment très bien fait. Et je trouve que c'est l'intérêt du livre par exemple, parce que quand les gosses vont sur internet, il reçoit, mais si vous le donnez en tant que parent, vous pouvez en parler, c'est-à-dire qu'il y a un échange qu'il n'y a pas sur internet, et là elles peuvent vous poser des questions aussi, puis les rassurer ou disant moi aussi j'ai vécu ça, c'est l'intérêt du livre. Alors il y avait journal intime de mon corps, et là donc c'est journal intime de mon cœur, donc c'est plus sur les émotions, ce qu'on peut ressentir, pourquoi ce qu'il y a de plus difficile à aborder. C'est dans l'école des loisirs, dans la collection 9. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, on a une invitée, comme la semaine dernière, c'est notre amie Lydie Zanini, qu'on aime beaucoup. Lydie Zanini qui est libraire à Bourg-en-Bresse, c'est la célèbre librairie du théâtre. Bonjour Lydie, cette semaine vous vouliez nous parler d'un de vos gros coups de cœur. C'est un livre qui est paru il y a quelques semaines, c'était au mois de mars, mais vous l'adorez, c'est le Jean-Paul Dubois. Bon, on est tous, amoureux de lui, de son style, de ses livres et tout. Dans celui-ci, L'origine des larmes, on se rend compte que son style n'a pas changé d'un poil. Sa construction, là, c'est un livre qui se passe en 12 mois et on va comprendre pourquoi. On va partir sur un meurtre, mais un meurtre bizarre, parce que Paul Sorensen, qui a une cinquantaine d'années, vient d'être arrêté pour avoir abattu son père post-mortem dans une morgue. Il doit tirer dessus alors qu'il était mort. Les flics ne comprennent rien. Il va être jugé. Et avec ce procès qui atteint l'intégrité d'un cadavre, on va se rendre compte qu'il a une peine de prison avec sursis. Puis à côté de ça, il doit aller voir un psy obligatoire pendant un mois. Enfin, une fois tous les mois, pendant 12 ans, 12 mois. Et ce psy est atteint d'une maladie où il a les yeux qui pleurent tout le temps, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ceci pour cacher un peu l'attention qu'il pourrait avoir pour ses patients. Et notre Paul Sorensen va parler à ce psy. Mais on va découvrir à travers ces séances la façon dont son père a traité ce Paul. D'accord. D'autant plus qu'il en a quand même bavé beaucoup dans sa vie. Il a sa mère qui est morte en couche, son frère jumeau est mort également à la naissance. Il traîne des valises quand même. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans le livre ? L'écriture de Jean-Paul Dubois, évidemment, et puis cette histoire un petit peu incroyable aussi. C'est complètement rocambolesque. Mais d'à côté de ça, on ne peut absolument pas le lâcher. Et ce que je trouve de véritablement fantastique, c'est qu'on baigne dans la mort et que ce livre est jubilatoire et qu'on se marre. Non, je l'ai pas lu du tout. Je suis passée à côté complètement. Oui. Bah écoutez, Complètement. Ça pourrait être déjanté, mais c'est construit. C'est génialement comme ce qu'il écrit. Oui. Non, mais là, c'est 200 pages de super bonheur.
Là, il ne faut absolument pas s'en priver. Là, je suis comme Gérard. Dithyrambique. C'est paru aux éditions de l'Olivier, ça s'appelle L'Origine des larmes, Jean-Paul Dubois. Merci Lydie, et on vous rappellera la semaine prochaine pour un autre coup de cœur. Allez, tout autre chose Gérard. Alors là c'est un événement, hein, c'est vraiment au niveau historique, c'est un des grands moments de l'édition historique depuis quelques années. Hein. C'est le bouquin de Charles Éloi Vial qui s'appelle Marie-Antoinette, c'est chez Perrin, et c'est un immense bouquin, c'est-à-dire que cet homme, Marie-Antoinette, c'est devenu... c'est une icône, c'est devenu mais très très loin de ce qu'elle était, c'est-à-dire que vous savez ce film avec Coppola, tout est en couleur, elle n'est que futilité, bêtise, consommation, enfin voilà, c'est vraiment loin. Et puis alors c'est et puis en plus c'est une des reines les plus clivantes, c'est-à-dire que on aime ou on déteste, c'est-à-dire que si on est républicain, voilà, et puis c'est voilà. Et lui il va parce qu'en fait, on met dans cette femme ce qu'on veut, voir à chaque époque. Puisqu'on essaye de vous raconter à chaque fois. Alors que lui, il va ne tenir compte que des gens qui l'ont connue. Il ne va pas essayer de pénétrer dans ce qu'elle a dans sa tête, mais dans ce qu'elle était vraiment. Et là, on va découvrir un autre personnage. Là, c'est une histoire tragique, hein, parce que, enfin, quelque part, elle a 16 ans, elle arrive en France, c'est une petite jeune fille. Elle s'est toujours amusée à Schönbrunn en Autriche. Elle était pas on lui a pas appris à être reine, à quoi que ce soit. Elle arrive chez des vieilles, enfin, c'est-à-dire que la cour de France, tout est codifié, c'est vraiment terrible quand vous êtes jeune. Elle tombe sur un homme qui a 19 ans, il est peut-être grand, mais il est un peu... il n'est pas si nounou que ça, parce que quand on verra dans les biographies, mais sexuellement, dégrossi, ça, il n'est pas dégourdi. Lui, il aime la chasse, elle aime s'amuser, et la meilleure façon de s'en sortir, parce que sinon, elle va s'amuser, c'est-à-dire que elle va aller au bal, et là, on va se rendre compte que ce dont on caractérise cette femme, les bals, c'est très peu d'époque dans très peu de temps par rapport à sa vie. Et puis le roi va mourir et puis ils vont devenir et elle va en fait elle a une pensée politique, c'est une femme intelligente, hein, malgré la caractéristique, les caricatures qu'on a pu et en les faire, clichés qu'on a donné d'elle. C'est un livre absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est un livre qui fera référence, un livre de référence sur qui était réellement Marie-Antoinette, puisque il faut rappeler qu'il est chartiste, il a travaillé sur les archives, c'est d'une précision très rigoureuse, mais en même temps toujours très accessible. Il met pas dans ses émotions, on sent cette femme. Et puis alors comme il dit, c'est soit pour elle, c'est soit la femme bonbon rose qui dépense des fortunes. Pareil, les fortunes, c'est pas été et soit la femme mère qui perd son enfant et tout, et là il va tout décrire. C'est absolument, moi j'ai été fasciné par ce roman. Si vous êtes fou d'histoire, il faut absolument que vous lisiez, parce que c'est la somme de travail, je n'ose même pas y penser. Et c'est pas parce que vous pensez connaître Marie-Antoinette qu'il faut pas le lire, au contraire, vous allez découvrir parce que là vous allez vous prendre, moi je m'en suis pris, ça m'a énervé, hein, parce que moi j'aimais bien le film de Coppola, j'aime bien le livre de Steven Zweig, j'aime bien ça, et là vous découvrez une vraie femme, enfin une femme à part entière, avec toute sa faiblesse, toute sa richesse, l'amour, hein, parce qu'elle a été vraiment amoureuse de Fersen, parce qu'il y a eu ça aussi, avec Fersen, mais là, il ne tombe pas dans la midinette. Il parle vraiment de cette femme. C'est le seul moment de sa vie où elle a pu être elle-même, parce qu'elle n'a jamais été elle-même. En plus, c'était une femme triste, elle a toujours été seule, alors qu'elle était accompagnée plein de gens. Allez-y, c'est vraiment... et c'est lisible, hein. Et puis ça vous rapprend, vous comprenez mieux la Révolution, vous comprenez mieux cette époque, tous les gens qui l'ont... C'est vraiment un chef-d'œuvre, hein. C'est vraiment... C'est chez Perrin, donc ça s'appelle Marie-Antoinette, c'est Charles Éloi Vial, et c'est chez Perrin, là aussi. Grand moment de l'édition française, cette année. On peut saluer les éditions Perrin, qui là aussi nous proposent toujours des œuvres. Ah oui, c'est courageux, parce qu'il y a des choses les lieux de pouvoir, on a adoré, c'est formidable, c'est un livre fabuleux, que tout le monde devrait lire, tous ceux qui s'intéressent... aux endroits où se fait la politique, hein, on l'a dit, c'est un ouvrage collectif sur les différents endroits de pouvoir sous la direction de Sébastien Le Foll. C'est un livre que moi j'ai adoré. La dernière fois, c'était l'avion qui m'a fasciné avec des histoires pas possibles. Ouais. Mais en plus, c'est des éditeurs, il y en a quelques-uns comme ça qui font un vrai métier d'éditeur. C'est-à-dire que là, ils vont faire paraître un livre sur Salazar ou sur Ceausescu. Il faut quand même oser, hein, parce que au niveau. Mais qui feront référence, même si c'est
pas des tirages absolument incroyables. Donc allez-y, le bouquin sur Salazar, parce qu'en fait personne connaît Salazar le Portugal et l'espèce de dictature. Allez-y, c'est vraiment. Mais ça, le Marie-Antoinette est absolument exceptionnel. Un petit livre pour enfants, L'ogre maigre, c'est un ogre qui, lui, il aime beaucoup les enfants, mais il aime jouer avec eux. Donc pour un ogre, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Il a pas envie comme les autres ogres qui les engraissent, qui leur mettent des numéros pour pouvoir les manger après. Et en fait, il faut toujours travailler plus. C'est ce qu'elle nous dit dans ce petit livre. J'ai fait lire à une petite fille qui a adoré. Et lui, il veut pas manger les enfants. Donc est-ce que il s'appelle Ventre affamé? Est-ce qu'il va pouvoir résister à l'envie de manger des enfants? Est-ce qu'il va devenir végétarien? Oh non. On sait pas. Les aimer ou les manger, il faut choisir. L'ogre maigre. Sophie Scherrer, illustrée par Émilie Sandoval. C'est chez Neuf Poches. C'est 8-10 ans. Voilà, on a fini. Merci Gérard. Merci, la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.